Voilà, et ça aussi, c'est une paroisse qui m'est chère, parce que je me suis marié à Sainte-Thérèse, donc je dois beaucoup à cette paroisse. Donc à chaque fois que j'ai le temps, je suis affilié là-bas. Non, mais JBB appartient à toutes les paroisses. C'est justement ce que j'allais dire. Non, mais JBB, parce qu'on est sollicité de partout, et c'est normal aussi, parce que quand Dieu vous offre un talent, un don, tout le monde en a besoin. Donc tant que la disponibilité y est, quand on va me solliciter, on va toujours répondre à cette affaire. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on est là, partout où on nous appelle, on y va. Je peux témoigner de ça. N'est-ce pas? Pour avoir été à la chorale de Wacam, quand même. Voilà. Et en tout cas, il faut le dire, c'est avec beaucoup de joie que vous donnez de ce que vous avez. Et nous prions que Dieu puisse vous le rétribuer en grâce, en paix et en santé. Amen, 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 amen. Alors vous avez compté avec moi, parfois même on se trompe, vraiment, plus d'une dizaine de paroisses. On va dire, aujourd'hui on va le nommer parmi les maestros, parmi les maîtres de cœur de l'archidiocèse de Dakar, peut-être même au-delà, peut-être qu'on n'en est pas revenu, mais je suis peut-être certaine qu'à chaque fois que vous êtes sorti quelque part dans un autre pays, dans une autre ville, vous avez rapproché l'écoration. Exactement, exactement. Et le plus grand souvenir que j'ai, c'est d'avoir participé à la mise en place de ce cœur de la part de Mauritanie, la cathédrale de Mauritanie. Comme au-delà d'être maître de cœur, je suis plus en formateur dans le domaine musical. Donc, c'est une paroisse, c'est le diocèse de Mauritanie m'avait sollicité vraiment pour venir me donner un coup de main par une session musicale. Ce que j'ai fait avec plaisir, j'ai fait presque 15 jours plus que cela. D'accord. Donc j'ai vu que c'était vivant. Et le travail qui a été mené a permis à toute cette communauté de se regrouper autour de l'essentiel. C'est important. Ah, voilà, là j'ai gardé ce grand souvenir. Voilà, bon, le mois dernier on était au Cameroun, mais là-bas aussi c'est intéressant. Et c'est là où on dit toujours que nul n'est prophète chez soi. Hein? Ah oui, je ne pouvais pas dire. Non, je t'assure. En Gambie, c'est comme si c'est toujours un petit prophète qui arrive. Oui. Parce qu'ils reconnaissent, voilà le talent que tu as et la manière dont tu leur donnes cela. Donc, on a cette chance aussi de participer au-delà du Sénégal dans cette musique. Bon, il y a quoi. C'est ça. En tout cas, c'est une bonne chose, c'est une bonne action. On va parler tout à l'heure de cet aspect formation. On en reviendra parce que c'est quand même important de savoir tout ce qu'il y a, tout cet engagement qu'il y a derrière le chant choral et que vous dispensez aujourd'hui avec beaucoup de joie. Mais avant, je voudrais vous inviter à nous faire découvrir davantage le chant choral. Qu'est-ce que le chant choral et son importance dans la liturgie? Voilà, c'est le chant choral a une place importante, vraiment dans notre liturgie. C'est vrai que juste après le Vatican II, on sait que au Vatican I, c'était la musique grégorienne qui dominait, jusqu'à ce que le Vatican II arrive, qui a permis à tout croyant de prier dans sa langue. C'était important. Donc de chanter dans ma langue, et ce qui a amené un engouement très riche même. Depuis lors, depuis maintenant le Vatican, on a vu maintenant des grands hommes dans le domaine de la chorale qui nous ont donné beaucoup de choses. Je ne cesserai de nommer Julien Joubard et Pierre Lopine qui ont ratissé l'âge de terre. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Vient maintenant une autre génération. Et nous aussi, c'est une autre génération. Et après nous, il y a des générations. Donc ça veut dire qu'il y a des évolutions. La musique a évolué. A évolué carrément. Et on le sent aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'avant, ce qui manque à notre église, c'est le volet formation. Parce que aimer chanter et savoir chanter, ça fait deux. Et quand on dit chanter aussi, c'est un domaine, c'est le domaine de la musique. Parce que maintenant, quand on parle de chant choral, c'est deux choses à la fois. Les paroles sont liées à la liturgie, mais aussi il y a la musique qui accompagne cette liturgie. Donc c'est une musique aussi religieuse.
comme les paroles peuvent être religieuses. Donc, musique religieuse et paroles religieuses, c'est ce qui donne le chant choral religieux. Qu'est-ce qui fait la particularité? Très bien. Parce que quand on dit chorale, la chorale, ce n'est pas religieux. La chorale, c'est un ensemble de personnes qui chantent en plusieurs voix. Maintenant, ce qu'ils chantent, c'est ce qui démontre la chorale, ce qui est la chorale. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types de chorales. Maintenant, comme nous sommes dans le domaine religieux, les chorales sont obligées aussi de suivre la liturgie. Et la liturgie, c'est au rite. C'est pourquoi il y a pas mal de problèmes qui surgissent. Parce que entre les chorales et même les célébrants, parce qu'il faut en respect des normes, des chants qu'on doit utiliser par rapport au temps ordinaire, par rapport à ceci, par rapport même à la période de la messe. Oui. Donc il y a tout un tas. Heureusement que les gens commencent à se former liturgiquement. Oui. Mais ce qui manque, c'est la formation musicale. Musicale. Ah oui, c'est la formation musicale. Alors, effectivement, cette formation musicale qui est de base est très importante. Et si on en venait justement à ça, je tiens à préciser que la formation dont on va parler, elle sera à deux niveaux. Là, on en est encore au chant choral. Et justement, on en viendra plus tard à la formation, mais à un autre niveau qui va au-delà du chant choral. C'est une précision pour nos amis de la cloche pour qu'ils puissent mieux intégrer le sens de notre échange. Et pour ce qui est justement de cette formation religieuse, liturgique, qui est en rapport avec le chant choral, quelles sont les étapes aujourd'hui à franchir qui peuvent permettre de dire à une personne, voilà, un formé, un certifié, un maître de chœur du chant choral? C'est important, c'est une question très importante et on voit aujourd'hui. Parce que quand on parle de choral, il faut savoir, doit avoir une formation musicale bien fondée. Et au-delà de cette formation musicale, il faut qu'il y ait aussi, qu'il soit en ménage. Il faut une formation aussi dans le domaine du management, parce que gérer les hommes, cette ressource humaine, il faut avoir les capacités. Donc ça veut dire que ce n'est pas simplement le pouvoir dire d'Aurélie qui te fait maître de cœur. Mais maître de cœur, c'est au-delà de nos compétences. Et tu vois des gens agir, mais ils ne sont pas des maîtres de cœur. Donc il y a confusion de l'homme. Alors, au-delà des maîtres de cœur, il y a ce qu'on appelle les compositeurs. Les compositeurs, c'est ceux qui ont le don de composer des chants que nous chantons. Et être maître de cœur ne te fait pas compositeur. Donc vous voyez, donc la formation liturgique incombe plus les compositeurs que les maîtres de cœur. Parce que si les compositeurs sont formés liturgiquement, ça veut dire qu'ils vont composer leurs chansons, n'aura pas de problème. Et les maîtres de chœur auront simplement comme ça de faire la programmation des chants bien composés. Effectivement. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est comme la base, en fait, qui permettra aux maîtres de chœur maintenant d'être à l'aise par rapport à l'exécution. Très bien. Il y a les maîtres de chœur qui ont la chance d'être le compositeur maintenant. Oui. Ça, c'est une chose. Mais quand même, il faut qu'on distingue les différentes parties. Parce que des fois, on entend session de formation, mais qui forme-t-on? Qui forme-t-on? Ce que je vois et ce qu'on fait, ça fait deux. Quand on dit la formation du maître de queue, ça ne concerne pas les choristes. Et la formation du maître de queue, c'est basée sur autre chose. C'est sur la direction musicale, c'est sur, voilà, c'est sur ce genre. Et maintenant, on peut compléter cette formation par une formation liturgique. Parce qu'il faut que le maître de chœur puisse distinguer tel chant de tel chant, tel chant de telle période. Mais la formation liturgique, aujourd'hui, on n'a pas une association de compositeurs. Et c'est quelque chose qu'on doit mettre sur place pour former tous les compositeurs dans le domaine de la liturgie. Comment composer une chanson? Quels sont les paramètres? Qu'une chanson composée doit être, peut entrer quelque part. Parce qu'une chanson où on ne peut pas trouver son thème ou bien sa place liturgique, ce n'est pas une chanson liturgique. Oui. Donc ça veut dire que c'est les compositeurs qu'on doit former, mon Dieu. C'est ça. Et après, qui forme-t-on? Les choristes. Les choristes doivent avoir une formation vocale. Une formation vocale. Comment chanter, comment bien chanter les chansons. Donc, vous voyez, c'est différents types de formations qu'on doit distinguer si on veut réussir la formation réelle, la formation chorale. Mais si on mélange les choses, c'est là où ça pose problème. Donc c'est à dire qu'aujourd'hui, qu'on ne peut pas être
compositeur juste parce qu'on en a envie, parce qu'on a le don ou parce qu'on est inspiré. On a un ton musical qui est inscrit dans la tête, qu'on chantonne et qu'on décide de composer, non? Non, parce qu'il y a des normes dans la composition. Si vous voulez que ce que vous composez soit chanté dans la messe, il faut que cette chanson entre dans une partie de la messe. En chant d'entrée, il y a lié à quelque chose. C'est quelque chose qui fait appel à l'entrée. En chant de communion, tu ne peux pas parler d'autre chose. Tu dois parler des choses qui sont liées à la communion. Ainsi qu'en chant de repas. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Mais les gens méconnaissent. Parce que aussi, quand tu fais des choses que tu ne connais pas, tu crois bien faire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit mieux former les compositeurs, les informer, pour que maintenant les chansons que nous allons obtenir vont vraiment être liées à la liturgie qu'on regarde de chaque jour. Oui, oui. Vous avez parlé tout à l'heure d'une association de compositeurs. Est-ce que ça ne devrait pas également être une responsabilité à vous de mettre en place cette association qui permettra de corriger ces quelques erreurs que l'on constate? Alors, c'est ce que je te disais, qu'il y a confusion dans les tâches, parce que déjà, il y a une association de maîtres de chœur qui font des formations. Mais je crois que là, je ne vois pas parler de l'association des compositeurs qui, l'essentiel du travail, parce que les chants que nous obtenons, ce sont les compositeurs qui les composent. Et sans ces derniers, on ne peut pas les avoir. Tu vois, un chant peut être belle mélodiquement, mais le contenu est vide. Et c'est ça des fois qu'on déplore. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Des fois, quand tu dis de dire directement les choses, des fois, on te jette des pierres dans la rue. Voilà. Mais quand on veut bien faire aussi, on ne peut pas faire des omelettes sans passer des œufs. Moi, c'est ma fonction, c'est mon rôle. Parce que je suis formateur. En même temps, c'est pourquoi même je me détache maintenant du rôle de maître de chœur, parce que moi je participe plus au coaching vocal, à la gestion, à tout ce qui est lié à la formation. Quoi. Parce que diriger une chanson, c'est très facile. Quand un chant est bien monté, c'est facile de diriger la chanson. Mais c'est à l'intérieur de la direction, faire vivre, faire sortir l'impression et les expressions de la chanson, voici la fonction du vrai chef de chœur. C'est tout ça l'essence d'ailleurs de la chorale, parce que quand on est en unisson, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est bien pour le chanter, mais on a eu l'opportunité de partager ce plateau avec un maître de chœur qui nous disait, il y a bien chanter et chanter beau, donc qui faisait un peu la distinction entre les deux, et voilà justement ce qu'on retrouve dans le discours de JBB qui vient tout justement fortifier cette affirmation. Exactement, et je loue l'effort qui est en train d'être fait. Mais je les invite à catégoriser les choses, à faire comprendre aux gens que maître de chœur, c'est une fonction bien déterminée. Compositeur, c'est une fonction bien déterminée. Même jouer de la guitare à la chorale, c'est une fonction. Ils doivent être formés. Ceux qui battent les tam-tams, tu les entends souvent, battre fort, ceci et cela, ils doivent être formés. C'est-à-dire tout doit être lié, parce que c'est l'ensemble qui forme la chorale. Quand des fois tu arrives quelque part où les batteurs veulent se montrer qu'ils s'en battent, tu n'entends plus les chansons, et voilà, donc il faut les calmer. Il faut que ça soit autour. Donc c'est toute une machine qui doit être rodée, douée. Mais tout ne doit pas se reposer sur le maître de cœur, parce qu'on voit toujours le maître de cœur qui s'accapare de tout. Tu diriges, tu veux chanter, tu veux diriger, et même si on te laisse, tu vas jouer la guitare avec les pieds. Tu formes des maîtres, il y a des choristes, des solistes qui sont formés. Oui. Il y a aussi ce qu'on appelle la formation des solistes. C'est pas n'importe qui aussi qui doit faire soliste. Oui. Et telle chanson est destinée à... Il y a entre deux solistes, il y a une qui est plus adaptée à cette chanson et l'autre. C'est ça la fonction du maître de chœur. Tu vas être le maître de chœur, c'est pas possible. C'est pourquoi quand on dit souvent que n'est pas maître de chœur celui qui veut. Il y a un jour qui va se fâcher contre moi. Et pourtant, tu veux le faire comprendre que ce n'est pas simplement le fait de remuer les mains qui fait mettre le cœur. Mais c'est au-delà de ça. Il y a beaucoup de paramètres qui apparaissent. Je peux faire monter des gens à la chorale, mais je ne suis pas maître de cœur parce que je connais la musique.
Donc, il faut qu'on revoie ça. Mais aujourd'hui, j'y tiens parce que les compositeurs, il faut qu'on puisse les former. On puisse les distinguer et qu'ils puissent subir l'information. À partir de ce moment, ma chère, on aura de belles chansons. J'espère que les bases de ces belles chansons sont déjà, en tout cas, vont être lancées tout de suite à la sortie de cette émission. En tout cas, les auteurs-compositeurs, C'est bien ça, les auteurs-compositeurs. On peut être auteur et ne pas être compositeur. Exactement, c'est pourquoi on dit auteur-compositeur. D'accord. En tout cas, les compositeurs, on peut composer et pourtant ne pas être l'auteur. Et il y a une autre machine à l'extérieur, hein. C'est la partition qui existe. Tu peux faire les paroles. Tu as vraiment ce don de créer des mots, mais tu n'as pas le don de créer la musique. Tu donnes à Jo crée des musiques. Ça veut dire que le texte c'est toi, la musique c'est lui, mais ça manque un élément, l'harmonie. Et on l'autre peut faire l'harmonie. C'est-à-dire la chanson, il y aura trois personnes sur le titre. C'est vrai qu'on peut voir parfois texte. Voilà, musique, telle et harmonie, telle. Parce que chacun a son don. Je pense que c'est important de revenir sur ça parce qu'on a des choristes même qui voient ça mais qui en réalité ne comprennent pas le sens de ces écritures sur la partition. Ma chère, il y a un maître qui monte en chant, les choristes chantent en chant et les choristes ne savent même pas qui a composé la chanson. C'est grave. C'est grave. Parce que la première des choses, la chanson, il y a quelqu'un qui fait que la chanson existe. Donc la première chose du chef, avant de monter la chanson, c'est parler de la chanson. Oui. Parler de l'auteur. Si c'est en chant célèbre, les gens ne comprennent pas célèbre. Expliquer le sens. Que c'est une chanson célèbre que nous allons apprendre, composée par tel, qui a même composé tel et tel chant. Et la chanson que nous allons apprendre est intitulée. Et ça, et le sens c'est ça. Et on va, c'est la partie de telle partie de la messe qu'on va toujours le chanter. Et le Dieu sera à l'aise, même si c'est une chanson célèbre. Et arrivé chez toi, quand on entend la chanson, tu pourras dire que cette chanson, c'est une chanson de communion, même si tu ne peux pas expliquer carrément les choses. Voici la première fonction du chef. Mais les choristes chantent, mais ils ne savent pas qui compose. Malheureusement. Et donc, il y a le manquement. Justement, je pense qu'avec cette association dont vous avez parlé, et qui, je l'espère, sera bientôt sur pied. Ce genre de problème pourra être vraiment résolu et très rapidement. Parce qu'après, au-delà de ces compositeurs, c'est vrai qu'ils sont intéressés, les maîtres de chœur eux-mêmes, parce que c'est eux qui sont à l'exécution, c'est eux qui sont en contact avec les choristes. C'est ça. Voilà. Et vous avez parlé d'un point qui est très important, c'est par rapport à la reconnaissance de la personne, auteur, compositeur. Mais qu'en est-il de cette reconnaissance-là? Parce que quand c'est un chant profane, quand c'est nos amis, ils ont la possibilité de reconnaissance par rapport à leur œuvre. Mais qu'en est-il du chant choral? Est-ce qu'on s'approche de la soda pour voir réellement comment ça se passe? Donc ça veut dire que toi, tu as marché un peu sur la œuvre. Alors, c'est important ce volet-là. Parce que j'ai fait partie de ceux qui ont de la réunion qu'on a organisée derrière avec le retour du ministre de la Culture, avec d'autres ministres, sur la reprographie, sur les œuvres, les livres, les partitions musicales. Donc nous étions intéressés par les partitions musicales. C'était intéressant, c'est parce que c'est un combat que nous voulons s'appuyer. Tu sais, toute œuvre doit être protégée et appartient à quelqu'un, que ce soit religieux, que ce soit ceci. Avant tout, c'est une œuvre, avant d'être religieux. Alors, on nous a appris, qu'est-ce qu'on a? On a appris déjà que, en livre, personne ne doit pas, tu n'as pas le droit de photocopier le livre d'autrui. Alors, il y a des usages pédagogiques, là, il n'y a pas de problème. Mais, tu peux consulter en livre, mais tu ne peux pas prendre tout le livre et le copier. Ça, c'est du plagiat. Donc, ça veut dire que c'est du vol. Parce que j'ai dit le mot tel qu'il se présente. C'est la même chose, une partition musicale, vous n'avez pas le droit de l'utiliser sans le consentement du compositeur. Surtout, à la messe, pour les messes, d'accord, parce qu'on dit que Amen. Mais au-delà de la messe, tu me fais ton concert. J'en paye. Vous allez penser, vous cherchez de l'argent. Vous utilisez des chansons de JBB sans l'avertir pour faire votre concert.
Les gens payent pour venir écouter les chants de JBB. Même JBB, quand il doit venir, il paye à la porte pour écouter ces chants. Donc vous voyez, il y a pas mal de problèmes. Donc il faut qu'on arrive, il faut que les gens, qu'on les fait, il faut faire comprendre aux gens que c'est pourquoi les chefs aussi doivent être, on doit les éduquer, on doit leur faire comprendre que vous n'avez pas le droit de photocopier une action pour vos courses. Vous pouvez avoir une, mais si vous en avez besoin, il faut l'acheter. D'ailleurs, tu n'oses pas prendre carrément une partition, tu le sais. J'ai 20 choristes, j'ai besoin d'une partition de JBB, je paye 20 partitions. C'est comme ça que ça se passe. Ah, mais c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Il n'y a pas. J'en apprends alors. Mais, ma chère, il faut qu'on arrive à ça. Je vois qu'il y a même des groupes de partage de partitions, les balances. Mais tu n'oses pas dire au monde. Mais pourtant, la loi est là, est en train. Il y a un décret, et ce décret-là, même, je crois que s'il n'est pas sorti, c'est déjà fait. Alors, ça veut dire tout simplement que pour l'usage de la messe, c'est tolérable. Mais quand ce qui concerne les concerts, et maintenant, il y a un phénomène que les gens ne comprennent pas. Vous savez que le directeur de la SODA me fait comprendre que ce qui gagne le plus à SODA, ce n'est pas les yusufs ou les chanteurs là, mais c'est la musique religieuse musulmane. Prenez-vous les catholiques là, vous êtes en train de dormir. Et il a parfaitement raison. Parce que la parole de Wokam a fait récemment un concert. Ils n'ont pas déclaré les chants. Quand vous faites un concert, vous devez déclarer, il y a des fiches que la SODA met à la disposition de tout le monde. Vous devez prendre ces fiches et les déclarer. C'est-à-dire, on va utiliser chanson de JBB, chanson, parce que vous avez déjà payé de l'argent. Par rapport à ça, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une communication de la part de cette organisation-là qui permette, bien sûr, aux différentes chorales de comprendre l'existence de cela? Heureusement, il y a le président du petit de Metteur, Jean-Faël, c'est le président. Il était très parti de la maison. Il est au courant de ça. C'est pourquoi ça me fait plaisir de le dire, parce que lui, il est au courant. Parce que quand tu le lis sans que les gens aient croient que c'est toi qui crée. C'est ça. Mais il est au courant que les partitions, il y a vraiment une loi qui est là. Et il y a ce qu'on appelle les droits voisins. Les droits voisins, les chorales peuvent avoir beaucoup d'argent aujourd'hui. Quand vous allez chanter à la RTS, mais vous-même, le cœur, les chansons que vous interprétez, vous avez une cote part. On doit vous payer pour l'interprétation. Mais si on ne déclare pas de chant, on aura beau chanter 1000 fois en JBB, il n'aura rien. C'est sûr, ça quand même. Et ça, c'est bien de le dire, parce que ça pourrait être une source de motivation même. Surtout pour les compositeurs. Voilà, pour les compositeurs. Voilà, parce que c'est un boulot à part. Oui. C'est un boulot, c'est comme l'écrivain. Les gens du livre, vraiment, ils étaient bien parce qu'aujourd'hui, même les livres qui sont dans les bibliothèques vont être rémunérés. On fait exception simplement à tout ce qui est pédagogique. C'est-à-dire, on donne privilège aux étudiants, aux élèves. Mais ailleurs, pour d'autres usages, vous payez. Ah, mais oui, ma chère. Il y en a tellement de l'argent qu'on jette en l'air. Vous organisez les choses, vous faites à la perception. Et dans la perception, il y a de la part du soldat. Et quand vous ne déclarez pas nos champs, on ne va pas nous payer. Et donc, l'argent que vous avez, ce sont les autres qui vont profiter de ça. Mais ça, oui, je veux dire. C'est Neysa, non, hein? Alors, j'espère qu'on en arrivera un jour vraiment à. Ce n'est pas une rémunération, mais vraiment à motiver tous ces auteurs, tous ces compositeurs qui se vraiment porte les armes pour nous aider à bien prier. Très bien. Donc, conscientisation, quoi. Je vous le souhaite. Mm-hmm. Je vous le souhaite pour tous les efforts qui sont consentis par rapport à ça. Et donc, pour ce qui est de la formation en tant que chorale, enfin, de la formation des chorales, on a vu ça. Je pense que ça a été édifiant pour mm-hmm. nous qui nous avons invités, pour nos amis de la cloche qui nous écoutent, qui nous regardent derrière leur téléphone, derrière leur ordinateur ou leur télévision. Et bien sûr, après la chorale, je le disais tout à l'heure, on a une formation à découvrir qui va au-delà de cet aspect religieux. Mais avant d'en venir à cette formation,
On a fait une première présentation, on va faire une deuxième présentation. Vous l'avez compris, on a un invité aujourd'hui qui porte plusieurs casquettes. Et justement, par rapport à cette deuxième casquette qui fait allusion à sa vie professionnelle, nous allons bien sûr demander à JDB de nous faire découvrir. Voilà. Là. Ok, donc JBB est en même temps professeur de logique. Voilà, après il y a 4 ans à l'École nationale des arts, après le concours, on a passé. Après le concours, on a eu le diplôme qui nous a permis d'être même major de la convention, c'était normal. Voilà, on devient professeur d'éducation artistique musicale. Voilà, donc nous servons le pays dans le domaine d'éducation musicale. Voilà. Donc, cela va dire qu'au-delà du talent, au-delà du don, il y a aussi l'aspect formation qui est en toi, qui te permet aussi de mieux cerner vraiment ton élément. Et c'est important. Maintenant, en tant que professeur aussi, on a formé beaucoup, non seulement. J'ai formé, mais je suis formateur en même temps à l'École nationale des arts. Justement, on reviendra à l'École nationale des arts plus tard, par rapport à toute cette transition-là, parce que de l'École nationale des arts à l'École nationale des arts, à aujourd'hui, NACM, c'est ça? Voilà. Voilà, c'est important, hein, parce que les gens disent souvent Beaux-Arts. En fait, les Beaux-Arts, c'était les années d'avant. Les années d'avant, tu sais, après les indépendances, on a créé vraiment le type d'école d'art artistique. Les plus connus sont l'école des Beaux-Arts, qui concernait les arts visuels. On appelle souvent les arts plastiques. Et il y avait le conservatoire. Au conservatoire, c'était la musique, la danse, etc. Et il y avait aussi le groupe de couture. Mais tout était dispersé. Donc chaque partie avait un directeur. C'est dans les années 95 maintenant, que dans la politique structurelle de l'État, on a essayé de regrouper l'ensemble de ces écoles en une école. Et c'est devenu l'École nationale des arts. Donc ces écoles-là sont devenues des départements. Toutes ces écoles sont devenues des départements. Donc ça a devenu une École nationale des arts avec presque 4 départements. Il y a le département des arts scéniques, le département des arts plastiques, le département de la formation des formateurs et d'animation culturelle, et le département coupe de couture. Maintenant, coupe de couture, on l'a enlevé maintenant. Est-ce que nous avons compris? Je pense qu'il serait bien quand même de revenir sur cela. Mais c'est ça, hein? Et le département coupe de couture, finalement, on l'a extirpé de l'école. Et on l'a ramené, je crois que c'est à la jeunesse, au ministère de la jeunesse, quelque chose, si je ne me trompe pas. Donc l'école est restée aujourd'hui avec les trois départements. Donc le département des arts scéniques. Les arts scéniques, c'est le niveau plus faible. C'est la formation des musiciens. C'est là qu'on forme tous les musiciens que vous voyez. Voilà, c'est là-bas qu'on les forme. Les danseurs, c'est là-bas qu'on les forme. Les comédiens, c'est là-bas qu'on les forme. C'est le département des arts scéniques, l'art de la scène. Maintenant, il y a, de l'autre côté, il y a le département des arts plastiques. C'est là-bas où on forme ce qu'on appelle les dessinateurs, les chorégraphes, comment on les appelle, ceux qui font le design, ceux qui font les guides de l'environnement, tout ça. Ils font les tags sur la route. Voilà, c'est eux qui font ça, les tableaux. Tout ça, c'est le niveau F. Maintenant, il y a la formation des formateurs, ça, c'est le niveau bas. La formation des formateurs, c'est-à-dire en musique et en art plastique, et des animateurs culturels qui sont dans les centres culturels aujourd'hui et qui peuvent devenir maintenant des conseillers culturels, des administrateurs culturels dans des ministères. C'est là-bas où on les forme. Parce que quand on les forme à l'École nationale des arts, ils ont la possibilité de poursuivre, parce que là-bas, c'est le bac plus 3. Donc, ils sont dans la hiérarchie B. Et pour être directeur, il faut être dans la hiérarchie A. Donc ça veut dire qu'il leur manque une année, c'est pourquoi ils vont encore faire une autre formation pour pouvoir devenir maintenant des conseillers culturels, et ceci et cela. Ah,
C'était méconnu, je suis sûre, de la plupart de nos amis. Tandis que les professeurs de musique et les professeurs d'art plastique sont dans la hiérarchie A. Donc ils sont très gradés. Parce que dans notre pays, pour être directeur, il faut appartenir à la hiérarchie A. C'est pourquoi aussi on dit professeur de musique simplement, mais quand même ils ont la chance d'être bien gradés. D'avoir suivi une formation structurée. Très, 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 très bien. Donc c'est ça le contenu qu'on veut de l'école. Maintenant, l'École nationale des arts depuis 2 ans a évolué. Donc ce n'est plus l'École nationale des arts, mais c'est devenu l'École nationale des arts et des métiers de la culture. Donc ce n'est plus ENA, l'École nationale des arts, mais ENAC. Il y a le MC qui vient. Alors comme métier de la culture, ce que vous êtes en train de faire avec moi, c'est un métier de la culture. Donc, cela a sa place aujourd'hui à l'École nationale des arts. Bon, ex-école, on est habitué, hein? C'est ça. À l'ENAMC. Donc l'ENAMC s'ouvre au métier de la culture, parce qu'il faut les valoriser. Donc cela aussi fait de l'école que ceci soit en ordre, il y a un autre département qui permettra au métier de la culture de s'intégrer au CNG. Est-ce que au niveau de la formation de l'école, de l'ENAMC, il vous arrive souvent de croiser, je dis on va faire un croisement, on va faire un mix entre chant choral et la formation. Est-ce qu'il vous arrive souvent de croiser les gens, les maîtres de chœur ou les touristes qui en veulent et qui viennent justement apprendre le métier des arts? Comme on dit, c'est souvent ceux qui veulent devenir maître de chœur. Tu sais, ici, quand tu prends une formation, ou bien les capacités de maître de cœur, c'est pas le maître, tu ne verras jamais le maître de cœur, tu verras ceux qui veulent être maître de cœur. Et c'est ça le dommage. C'est ça le dommage. Il y a ce qu'on appelle renforcement de capacité. Quand il y a cela, ça incombe tout le monde, tous les professionnels. Mais on a combien de sessions de formation organisées ici pour des maîtres de cœur? Mais tu verras certains, 2 ou 3 qui sont connus, mais les autres, ce sont les jeunes. Ils disent qu'ils veulent être. Alors, à l'École nationale des arts, il y a certains qui viennent parce qu'il y a les cours du soir. Il y a les cours du soir pour ceux qui travaillent, qui n'ont pas le temps, qui est de 17h à 19h. Et il y a même la formation à la carte. Si tu veux faire quelque chose dans la musique, uniquement la guitare, tu ne veux rien faire d'autre, on peut te faire cette formation. On te met juste en rapport avec ton professeur de guitare, selon les heures qui te conviennent. Alors là, justement, on est en train de faire la publicité de l'ENAMC. Non, mais c'est ça parce que les gens ne savent pas. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut approfondir ses connaissances. Mm-hmm. On peut utiliser beaucoup de moyens. Beaucoup de. Mais les gens ne savent pas. Ne savent pas, malheureusement. Voilà. Et par rapport à cet aspect formation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur ça? Qu'est-ce qu'on peut développer pour quel profil est-ce que déjà il faut pour intégrer? Pour faire une formation par rapport au métier de l'art, est-ce qu'il faut, au-delà de la base du FM ou du baccalauréat, est-ce que quelqu'un comme moi, un profane, qui ne connaît rien, peut intégrer? Très bien, très bien. Donc la formation, c'est de rien de zéro. Ah, je t'assure, il n'y a pas tout ce que tu veux faire. C'est-à-dire, c'est la formation diplômante qui existe. Le diplôme, ça, c'est dans tout le pays. Mais n'importe qui peut venir se former à l'École nationale des arts. On voit des vieux qui viennent parce qu'ils ont, seulement la passion. Parce qu'ils ne sont pas là pour des diplômes. Il y a des gens qui viennent pour augmenter leurs compétences. Il y a certains journalistes qui viennent. Parce que, écoutez, pour bien parler, il faut d'abord savoir maîtriser l'aspect respiration. L'aspect, il faut maîtriser sa voix. Il faut maîtriser ce qu'on appelle la diction, la phonétique. Tout ça. Moi, en tant que. Moi, j'enseigne ce qu'on appelle les techniques du chant. Donc, quand on dit technique du chant, c'est par rapport aussi à la technique, ce que ce soit la voix parlée, la voix chantée, tout ce qui entre en valeur de ça. On le fait. On le fait dedans. Laisse-moi. Et j'ai envie de revenir un peu sur l'importance de cela par rapport à l'intégration. Est-ce que. De façon générale, les artistes que nous voyons maintenant, nos chantres, que ce soit religieux ou non, les artistes de façon générale, est-ce que c'est des gens qui s'intéressent à l'école
à l'ENAMC qui apprennent vraiment ce métier avant de l'exercer? Et je dirais malheureusement non. Malheureusement non. Il y en a certains qui font le retour en arrière. Le retour en arrière, tu sais, il y a les charrues avant de venir. Il y a des gens qui ont le talent naturel. Chantent comme ça, sans savoir que c'est ce qu'ils veulent chanter. Ils ont que la voix et la belle voix. Ils vont jusqu'à obtenir un nom, mais après ils se rendent compte que ce qu'ils sont en train de faire, c'est en domaine dont on doit connaître. Le minimum. Là, il y a des gens qui font le retour en arrière pour venir, parce que je peux apprendre à faire la musique, mais c'est ennuyeux pour eux. Parce qu'ils ont déjà un nom. Donc voilà, ça, ils vont le faire en mois et puis voilà. Ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils commencent à gagner de l'argent. Et d'autres aussi, la plupart, ce sont des instrumentistes qu'on ne connaît pas souvent. Parce que quand tu dis l'orchestre de Youssoudou, il y a certains, c'est Youssoudou qui connaissent. Mais derrière lui, il y a un tas de techniciens, les guitaristes, les pianistes, et qui font un travail extraordinaire. Ils se le font chanter. Mais malheureusement, celui qu'on connaît. Mais le vrai travail, c'est les professionnels qui le font derrière lui. Donc aujourd'hui, ceux qui cherchent plus à se faire former, c'est les instrumentistes. Il y a plus les instrumentistes que les chanteurs. Parce que les chanteurs, moi j'en ai formé beaucoup dans les coulisses. Surtout les filles musulmanes. Ils veulent chanter, mais ils ont des problèmes. Parce qu'il y a des facteurs globaux. Soit tu as des problèmes respiratoires, il faut qu'on règle ce problème. Soit tu as un problème de diction, on règle ce problème. Mais quand ils commencent à voir le lit, ils disparaissent. Ah oui. ça, voilà. Malheureusement. Mais je pense que c'est important quand même de mettre sur place ce dispositif d'accompagnement et surtout d'en parler pour que les gens comprennent, qu'ils sachent réellement que ça existe. Et ça pourrait peut-être même être un facteur de boost de notre, je suis tentée de dire, tourisme culturel. Exactement. Concernant les chorales, aujourd'hui, chaque chorale devait faire recours à un coach vocal. Ce n'est pas le petit de cœur qui sait faire les vocalises. Les vocalises, c'est un domaine. C'est-à-dire, comme les joueurs aujourd'hui ont des coachs personnels, il y a ce qu'on appelle le coaching vocal. Il y a des gens qui sont habilités, qui savent comment faire chanter les voix, comment réchauffer les voix. Ça, ce sont des techniques. Oui. Alors, normalement, si les chorales sont bien organisées, au lieu de simplement faire des répétitions, c'est pas bon, prendre consacré 15 minutes, il y a quelqu'un qui vient, il faut apprendre comment chanter, comment respirer, comment poser la voix, comment tenir le son, comment changer sa voix, comment faire la voix de tête, la voix de poitrine. Mon Dieu, imagine quand les choristes comprennent ça, tu auras une chorale qui va. Quand tu les vois chanter, tu sens que c'est travaillé. Parce que les voix ne sont pas dispersées. Non. Imaginez ce que je veux dire. Alors, c'est les chorales qui doivent, les paroisses qui doivent s'organiser jusqu'à faire même des sessions de chorales. En interne. En interne. En dimanche, au lieu d'aller faire des kawarés, tu organises une session de musique. Tu invites un professionnel qui vient et prend les choristes. Il dit que voilà, chantez telle chose, c'est comme ça qu'on le chante. Voici l'expression, voici l'impression. Voici comment vous devez faire, voici comment respirer. C'est ça le phrasé, c'est ça. Et quand tu dis phrase, on te regarde, tu ne sais même pas ce que c'est une phrase musicale. Ah oui. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Nous essayons de chanter, mais il nous reste beaucoup à savoir chanter. Seulement qu'il y a des chorales qui excellent. Oui. Parce que la plupart de ces chorales-là, ce sont les maîtres de cœur, c'est ceux qui font des sessions de formation. Bon, je peux même te les citer. En tout cas, je pense que vraiment, autant les choristes que vous, en tant que professionnels de ce milieu, les maîtres de cœur, j'ai envie de dire, autant les maîtres de cœur que vous, professionnels de ce milieu, avez pour moi votre rôle à jouer par rapport à ça, pour amener, bien sûr, tous les acteurs, tous les choristes, toutes les chorales, à vraiment se mettre dans cette mouvance-là. Et c'est justement ce qui, pour moi, peut porter exactement. Le chant choral. Et je parlais tout à l'heure du tourisme culturel. Est-ce que cette formation-là peut, selon vous, avoir un poids pour lancer ce tourisme culturel? Mais oui. Vous savez, tout le domaine du chantier, moi je dirais que c'est quelque chose qui peut permettre. Non seulement vous allez mieux faire les choses,
mais ça permettra à beaucoup de gens de comprendre. Tu sais, quand vous allez dans la sous-région, quand vous les voyez travailler le foie, et au sein même d'une chorale, tu vois, ils font la promotion même de les meilleurs, de ceux qui sont meilleurs, pour qu'ils sortent des albums. C'est ce qui se passe à l'extérieur. Donc la chorale qui sort, que tel a un talent, la chorale l'appuie pour qu'il puisse, voilà, le soutenir. Mais nos chorales n'ont pas cette philosophie. Au contraire, si tu commences à faire des choses, on commence à te taper, au lieu de te soutenir, non. Ou bien on va commencer à te dire, il fait semblant. Est-ce que c'est peut-être pas l'une des raisons pour lesquelles on voit de plus en plus de jeunes chantent, non? Alors, c'est ce qui a même poussé l'éclosion des chants, l'éclosion des chœurs. Tu sais, le chœur et la chorale, ça fait deux. Parce que normalement, un chœur, c'est un groupe professionnel qui n'est pas lié simplement. Ça peut être un chœur religieux. Mais le chœur, ce sont des professionnels qui forment un groupe. Maintenant, pour voilà, aller au-delà de la chorale. Parce que vous savez, ce qu'on fait à la chorale, les chorales d'église, c'est limité. Hein? Musicalement, c'est limité parce qu'il s'agit simplement de chanter une chanson dans les langues qui puissent terminer. Tu vois ce que les gens peuvent faire en concert et ne peuvent pas le faire, même dans l'église. Donc, c'est pourquoi la chorale en église est tellement limitée. Ce n'est même pas, on n'a pas besoin de certaines connaissances. Mais la chorale, au-delà de l'église, c'est là où tu vois réellement qu'est-ce que c'est une chorale. Quand tu vois Whitney Houston chanter avec une chorale, gospel, non, c'est pas là du chorale. C'est là où tu sens que la chorale, dès que tu es au la chorale. On a quand même maintenant qu'on commence à partir. Hein. Alors, avec les chants, on commence à, voilà, à valoriser. Donc, ils commencent à émerger. Mm-hmm. Avec les chœurs surtout. Mm-hmm. Parce que les chants, c'est plus des individualités. Mm-hmm. Mais les chœurs, on sent le collectif. Donc ça, c'est important aussi. Et il y a aussi l'influence des charismatiques. Mais les charismatiques, c'est un autre domaine. J'aime le taquiner. Oui. Parce que eux, vraiment, ils sont liés à l'Esprit Saint. Quoi. C'est l'Esprit Saint qui les pousse. Voilà, qui les pousse à crier. Quoi. Voilà. Alors là, bon, chers amis de la cloche, on a parcouru le chant choral, on a parcouru la formation liturgique, on a également parcouru la formation musicale qui constitue un élément important, un élément déterminant pour justement porter ce chant choral, porter le chant de façon générale. Tout de suite, nous sommes revenus sur l'éclosion, il l'a dit pour reprendre ses mots, des chants, l'éclosion des chœurs, qui peut constituer un élément de, je l'ai compris, de boost pour voilà, ce qui est le tourisme culturel, c'est-à-dire intéresser le monde extérieur justement à ce qui se fait, ce qui se passe chez nous. Et cela passe tout simplement par cet amour de la culture, par cet amour du chant, non seulement religieux, mais le chant de façon générale. Et on en vient maintenant à une autre étape, c'est de savoir Jean Benoît, JBB, compositeur, quelles sont vos œuvres? Sur quoi est-ce que repose la particularité de vos productions? Waouh! C'est moi, comme j'ai l'habitude de le dire, mes premières chansons, je les ai composées quand j'étais au sixième, en sixième au collège de ma petite école. Quand on dit sixième, c'est 14 ans, 15 ans. Et je me rappelle très bien quand on chantait, quand la grande chorale de Farul, j'étais au sixième chanter une de mes œuvres en concert. Et après, les gens disaient, non, c'est pas ce gosse-là qui peut faire ça. Est-ce que c'est pas sa maman-là qui a? Alors, pour dire que même le qui n'attend pas l'âge. Alors, imagine, cette année, ces années-là jusqu'à aujourd'hui, combien la personne peut produire. Et c'est pourquoi aussi on dit que des fois, quand tu sais faire une chose, ça devient plus facile. J'ai bien dit quand tu sais faire. Parce qu'on peut composer, et quand j'entends toujours quand tu demandes à composer, quand tu demandes, ça vient comme ça. Mm-hmm. Mais moi, ça peut ne pas venir comme ça. Je peux composer subitement en chant. Parce que je sais comment composer. Parce que j'ai appris à composer. Avant, c'était simplement on se fie à l'instinct, on se fie à l'inspiration. Mais nous, on est passé au-delà de ça. Tu crées un test, tu dis que voilà, tu veux que le chant soit comme ça.
C'est comme le peintre qui doit faire un tableau, tu as déjà les éléments en tête. Tu dis que voilà, je veux mettre telle couleur ici, je veux faire une saturation là. C'est la même chose qui se passe en musique. C'est pourquoi même les deux sont liés. C'est le courant de l'impressionnisme musical. N'est-ce pas? Alors, à partir de ce moment, à chaque fois que je veux, ce que je veux, mon chant ressemble, c'est ça. C'est pourquoi même l'intitulé des différentes parties, quand tu vois, tu verras dans mes partitions, ce n'est plus simplement, comme par exemple, couplet, refrain, les formats A, B, mais je passe à autre chose. Je fais partie A, pont, partie B, et tu ouvres une fenêtre, partie C, tu ouvres une fenêtre pour expliquer, et tu fermes la fenêtre, tu vas, et tu reviens à la grande partie. Donc voilà, et tu fais comprendre aux gens, c'est qu'ils savent lire une partition. Ça fait une lecture, c'est comme le professeur de français devant un texte. Quand on vous demande de faire le commentaire d'un texte, tu dis que tu ne comprends pas n'importe quoi. Quand on te demande de faire un résumé, c'est la même chose qui se passe chez nous. Je dis que souvent on n'a pas trop des gens qui savent lire une partition. Ils savent déchiffrer une partition. Pour d'abord lire, aller voir les couleurs, comment est l'harmonie, quelles sont les différentes couleurs. Parce que nous, les accords sont à la musique ce que la peinture, les couleurs sont à l'eau. Quand tu mets en accord, une succession d'accords, il y a une expression que tu veux dégager. C'est pourquoi je dis dans la formation, ce n'est pas simplement la liturgie, mais il faut une formation musicale. On chante qui lit, il y a des accords que tu dois mettre et des accords que tu ne dois pas mettre. La chanson qui lit doit être dans une tonalité et pas dans une autre tonalité. Donc voilà, il y a des paramètres que les gens ne maîtrisent pas. Parce que tu composes simplement, mais tu ne sais pas ce que tu... C'est comme si tu as une femme, tu lui achètes des vêtements d'or. Sans s'en rendre compte. Parce qu'au prime abord, tu ne sais pas que tu as affaire à une femme. Parce qu'une mélodie peut être dans un mode, mais pas dans une tonalité. Alors là, vient, mon Dieu, c'est la catastrophe. Donc vous voyez, on a appris à vraiment aller à composer sans compter maintenant l'inspiration qui est là, qui, quand je dis aux gens, je n'ose même pas dire combien j'ai composé. Parce que ça vient. Ça vient. Il me plaît dans une journée de composer 20 à 30 chants. Alors, donc ça vient. Et tu le fais simplement pour. À l'école, quand j'ai la récréation, je prends une feuille, je compose une chanson. Parce que c'est un plaisir. Et puis c'est un passe-temps. C'est un passe-temps pour moi. Mais il faut vraiment avoir de la créativité pour ça. Exactement, il faut que ça soit en toi. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vois quelqu'un forcé à composer, ça ne vaut rien. Et ça se sent. Et ça se sent. Mais quand tu sors, et moi j'ai allié les deux domaines, le domaine religieux comme le domaine profane. C'est ça. Voilà. C'est pourquoi quand la chanson Barabbas est sortie, Les gens étaient ébahis de te voir dans ce style. Parce que tu croyais simplement dans un terrain religieux. Et pourtant, moi, mon mémoire, je l'ai fait sur le chant traditionnel, c'est le fadi. Le chant poème, tu vois. Ah, ça, on l'a senti. Hein? Donc, tu vois. Et moi, depuis lors, je suis dans la chercheur dans les rythmes. Pas les rythmes simplement sénégalais, mais les rythmes africains. C'est l'atelier que j'ai dirigé le mois dernier au Cameroun, avec plusieurs nationalités. Vous pouvez avoir la vidéo. Alors c'est parce que tu dois montrer aux gens qu'il y a des choses que nous avons que vous devez connaître. Et qu'on doit mettre en valeur. Mais il faut des sommes pour mettre cela en valeur. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a un monsieur multicasquette. Pas seulement multiculturel, mais multicasquette. On le découvre à mesure que les choses avancent. Et justement, en parlant de cette ouverture-là, récemment, vous avez organisé un événement, c'était à Fagat. Oui, le 19 août. Voilà, où on a effectivement découvert cet amour, en fait toute cette belle création, toutes ces belles œuvres que vous avez fait allant dans le sens de la musique sévère. C'est ça. Alors, ça me permet déjà de présenter ce que j'ai mis en place. Moi, mon concept, mon fils, c'est Livingstone. Livingstone. La vérité seulement. C'est ça.
ça que je présentais pour mon linéa. Donc, Dickinson, yes. N'est-ce pas? Oui. Et il y a, dedans, il y a l'école Dickinson. Il y a une école parce qu'on donne des cours. Il y a le chœur Dickinson, on chante. Il y a beaucoup qui connaissent le chœur maintenant. Samedi passé, on a chanté mon mariage avec le chœur Dickinson. Il y a la troupe Dickinson que tu as vue à Paris. Le cœur est religieux, la troupe est profane. Donc voilà, donc autour de cela, il y a maintenant la formation des jeunes qu'on fait dans l'église. Alors c'est ce qui fait aujourd'hui que tu as la capacité d'évoluer dans tous les temps. Et je suis en amoureux de la tradition. Ça, c'est toujours en moi. Parce que aussi, que, comme le disait Saint-Gorin, s'enraciner avant de s'ouvrir. Si tu perds tes racines, tu ne seras jamais solide. C'est ça. Tu n'as pas beaucoup fait. Voilà. Moi, ma force, aujourd'hui, c'est mes racines. Et je me rappelle très bien qu'il y a un style musical. Je fais partie, je ne dirais pas c'est moi, mais je fais partie de ceux qui l'ont fait rentrer dans l'église, hein, imposé. C'est le style qui est lié un peu au chant de lutte. Avec la chanson Inyamba Adore, Panera Rambo. C'était un style que les gens venaient de découvrir petit à petit. Il n'y en avait pas. Et c'est lié à 2-8. Les gens commencent à découvrir. Et les gens sont très intelligents parce que quand ils sortent quelque chose, ils peuvent rapidement s'adapter. Voilà. Alors, il y a. Parce que moi, je dis que ma fonction, c'est ça, créer la créativité, mélanger les choses. Quand j'ai créé la chanson, par exemple, d'Antiamiae, avec tu fais du syrette et du latin, c'est à devenir nouveau. Quand j'ai fait la messe latino serré, donc tu as vu, Rose et tu as vu la mineur que le Kyrie doit obtenir, là où tu viens. Et quand tu prends Dante Amia, tu termines avec Salve Regina. Donc, il fallait jouer dans les rythmes. Tu quittes en rythme pour en rythme, parce que c'est ça mon travail. C'est ça. Le mémoire que j'ai fait, c'était l'étude des rythmes. C'est pourquoi, dans tout ce que j'ai fait, il y aura toujours le Baramas, tu vois, les différentes rythmes. Oui, oui. La chanson qui fait tourner tout le monde. Oui. Hein? C'est magnifique. Voilà, donc il fallait montrer aux gens. Et tout cela, je dis que les gens ne savent pas lire. Parce que ça veut dire que celui-là. Il est dans ça. Et voilà où il nous mène. Voilà. Et il fallait aussi donner à cette musique serrée une autre tournure. Surtout. Une autre tournure. Parce que tout était lié simplement en guêle, avec les Yabia, les tantons Rémi, et cadré. Mais il fallait faire une musique où, même au niveau international, on peut le mettre. Et ça rejoint justement le tourisme dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Ça nous permet de vendre en fait notre identité. Exactement. Voilà, c'est important. Parce que même le tout danse le balamas jusqu'à présent. Mais est-ce que par rapport à votre ouverture là, on devrait s'attendre aujourd'hui à danser un jour sur un rythme de Djola sur votre compte? Tu sais, dans le rythme serré, on le trouve tous les deux. Tu sais, le Djola et le Séré, comme on dit, ce n'est pas une plaisanterie. C'est-à-dire qu'ils ont vécu réellement ensemble. Il y a une danse, dansée par les Djola, la même danse dansée par les Séré, même si ce n'est pas le même, c'est pas le même début. Mais c'est la même danse. On se retrouve. Et quand tu prolonges tout cela, même au niveau de l'Afrique, tu verras cette même danse dansée au Gabon. Tu verras cette même danse dansée au Burkina. Parce qu'on travaille dans ça. Parce que le thème que j'avais fait au Cameroun, c'était escapade sur les rythmes de l'Afrique de l'Ouest. J'ai bien dit escapade, hein. C'est fort. Alors c'était ça. Alors ça intéressait les Doigts. Il y avait un atelier où il y avait les Doigts, ils voulaient découvrir. Qu'est-ce que c'est? Alors je leur ai montré mes chers Doigts. C'est pourquoi on dit que l'Afrique. C'est le berceau de l'humanité, musicalement, dans tous les domaines de la vie. Ce que vous faites là, c'est pas ça, c'est comme ça. Donc il fallait apporter une réponse à ceux qui ne savaient pas. Et par rapport à ça, justement, vous faites un petit témoignage. Je ne sais pas si vous avez été à la messe du 15 août.
cette année à Fagan, il y a un chanteur là qui a été exécuté, mais sur un rythme de la chanteur là, il a terminé ses rêves. Effectivement. C'était vraiment magnifique. Voilà. Vraiment magnifique. C'est ce qu'on appelle l'entendement de lui. Entendre les lumières. C'est pourquoi nous, et sur les caisses, les célèbres de la petite coupe, une bonne des célèbres du sud et les célèbres de caisse, la différence c'est en entendement. Nous, quand on danse sur le temps levé, temps fort, eux ils dansent sur le temps levé. Et ça, ça compte. Nous, quand on est dans les syncopes, les yolas sont dans les contre-temps. Ça devient un peu technique, mais. Ouais, mais bon, on peut dire. Oui, donc je diminue. Alors, c'est là où c'est intéressant. Si Dieu t'assure, mais ça fait déjà tout un ensemble. On se retrouve. Moi, aujourd'hui, j'étais ébahi quand j'ai. Une fois, un ami m'a appelé pour me dire qu'il y a des Peul Fouta qui font guerrer et j'ai envie de mettre Baramas. Peul Fouta. Alors là, j'ai dit que ça veut dire que la chanson là, franchement, voilà, c'est parti quoi. Alors, c'est ça la valeur de la musique aussi. Et l'esprit universel aussi de la musique. Surtout une chose, quand une chose est bien faite, ça plaît à tout le monde aussi. Voilà, c'est ce qui est important aussi. Ça passe comme lettre à la place. Très bien, très bien. Alors, des perspectives pour notre invité du jour. Voilà, les. N'est-ce pas hein? Les non, les... Bon, les perspectives, j'ai bien aimé, comme je crois que la cloche ne se limite pas aussi au religieux, il est dans d'autres domaines. Donc, peut-être j'aurai une discussion avec le chef, parce qu'il y a des moments où on doit s'épauler. On doit s'épauler. Vous avez un moyen qu'on ne peut pas contourner. Moi aussi, j'en ai un moyen qu'on ne peut pas contourner. Est-ce que si on mettait les moyens ensemble, ça ne va pas plus produire certaines choses? Bon, je crois à cela, mais c'est pourquoi à l'ouverture. On ne peut pas rester dans notre domaine seulement. Aujourd'hui, on JBB n'est plus simplement en JBB, mais c'est quelqu'un qu'on peut prendre en charge par rapport à ce qu'il fait. Moi, je n'en sais rien sur les photos, je n'en sais rien sur les caméras, mais il y a des gens qui sont bien placés dans ça. Mais quand tu viens dans mon domaine, tu verras aussi que je peux apporter quelque chose. Comme font les... Comment on appelle le label Petit Galet? Comment on appelle ça? C'est Petit Galet. Le label? Oui. C'est-à-dire qu'ils prennent des musiciens, ils le font produire, etc. Donc il faut s'élargir vers ça. Essayer de voir avec des gens qui peuvent vraiment, avec qui vous pouvez propulser communicativement. Le terme est bien choisi. N'est-ce pas? Le chef va nous entendre. Alors c'est ça le projet. Oui. Le projet, c'est commencer maintenant à mettre en valeur tout cela. Parce que tout ce que tu as, si c'est dans le tiroir, les gens ne vont pas connaître. Il y a tellement de choses à montrer, il y a tellement de choses à faire que seul tu ne pourras pas le faire. En tout cas, pour le dire, il faut le dire, aujourd'hui JBB vous dépasse. Hein? Aujourd'hui JBB est devenu une marque, on va dire. N'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. C'est un plaisir de vous avoir accueilli sur ce plateau. Peut-être que vous avez un message à partager avec nos amis de la cloche. Ah, en tout cas, je dirais d'abord merci. Merci à la famille La Cloche. Merci aux amis de la cloche surtout. Voilà, donc je crois que c'est le début du commencement. On va faire une collaboration pour parler dans plusieurs facettes dans le domaine de temps en temps. Alors je dis merci à la maison et que la cloche continue de sonner. Hein. Et vraiment c'est formidable, n'est-ce pas? Merci à vous. Voilà, les projets vont venir et je vais vous les soumettre. On les portera et voilà, on les fera grandir et ce sera pour vraiment pour l'intérêt de tout le monde. Alors, vous l'avez compris, chers amis, nous avons été en compagnie de Jean-Benoît Patton, JBB, mais nous n'avons pas été qu'avec lui. On a également été avec nos partenaires qui nous subliment, nos partenaires qui nous régalent. Je veux tout simplement parler de celle qui nous a sublimés aujourd'hui, c'est Ellen Style. Vous voyez les belles boucles d'oreilles, n'est-ce pas? Je pense que vous ferez peut-être un tour chez elle plus tard, n'est-ce pas, pour faire plaisir à toute famille, bien sûr. Donc Ellen Style qui
qui est très connu pour des coiffes, mais également pour des articles qui vont vous sublimer tout simplement. Vous m'avez vu aujourd'hui, je pense que le message il parle de lui-même. En tout cas, merci à notre partenaire pour son engagement et nous lui souhaitons également de réussir dans son projet, comme nous le souhaitons à notre invité d'aujourd'hui chez Bébé, comme nous le souhaitons à nous-mêmes la cloche et nous le souhaitons à vous-mêmes, très chers amis. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette émission, vous l'avez compris. C'est un plaisir d'avoir été en votre compagnie et nous vous invitons tout simplement à ne pas quitter, à ne pas décrocher. Comme on dit très souvent, cliquez sur la petite cloche bleue si ce n'est pas encore fait, restez en notre compagnie. Je ne sais pas si le grand maestro a également envie de nous régaler un peu avec sa guitare avant qu'on ne se dise au revoir. Ah mais pourquoi pas. Voilà.